Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Palmi, sac ma pou la caille. En fait, au cœur de yon pandémie, de yon crise, eh bien, bagay la chauffe la entre les États-Unis et l'Iran. Nous connaissons que ça pa gen trop tan, yote pati, yote, en fait, yote manqué entrer dans la guerre lorsque Trump te touye, en fait, te touye yon général iranien. Kounya, ça ka passe là. En fait, ça gen plus de 6 jours que US Navy, justement, fâché pour te plaindre sous un ensemble de bateaux de guerre que l'Iran gagne sous la mer dans la zone Golfe Persique là, côté que les sont pour balle passer ou pas occupé, prêt pour faire accident, il a fait des actions très dangereuses, des actions très agressives à l'égard de bien bateaux, différents bateaux que les États-Unis gagnent dans la zone ça. Ils ont parlé de série de mouvement qui pas vraiment sécuritaire qui a fait à l'encontre de ensemble de bateaux de guerre que les États-Unis gagnent. Donc il parlait de agression qu'a fait là, comme quoi pays a agressé. Mais faut comprendre qu'a passé là, il y a une bataille de pour territoire au niveau maritime puisque faut souvent gagner dans des bails que les États-Unis comptent saisir sous la mer. Iran voulait montrer présence sous la mer tout. Il fait comprendre que ce n'est pas lui et le territoire maritime, qu'il y a un espace libre, qu'il n'y a pas pour personne. Mais dans ce qui passe, je dis à Donald Trump, dans un tweet, il demandait, t'allais bien, pour que US Navy détruit bateau de guerre iranien cap fait des mouvements d'harassement, cap harasser justement, eh bien, bateau américain. Donald Trump, il faut un avertissement. Il dit les États-Unis ont éclaté tout bateau de guerre de l'Iran qui a bail au problème sous la mer. Maintenant, son façon pour faire tout le monde comprendre que monsieur est prêt pour frapper, cogner, crise par crise. Fondou que menaça de la part de Donald Trump, bien que Donald Trump c'est un monde qui impulsif tout, il doit arrêter comme ça pour son parole, mais dans les faits, parce que c'est pas la première fois que Donald Trump a bâillé pression, parce que nous rappelons que bon période côté qu'il te dit il est capable de réduire Corée du Nord en cendres, on pile bagarre après à la fin Royal Talde fait la paix. Donc ça va me dire qu'effectivement son bagage sérieux il va le faire, il dit ça. Et donc, fondou que bah ça a coïncidé après que Pentagone, justement, Pentagone qui dévoyait plein plein, il dit qu'effectivement, des gardes révolutionnaires islamiques, en fait, il parlait des gardes révolutionnaires islamiques de l'Iran, il dit c'est son provocation. Et son provocation qu'il a fait US Navy, cause gardio, non, Golfe Persique là. Ok? Et donc, Donald Trump, ça dit, attendez bien, il dit que I have instructed, ça veut dire le passé l'autre déjà, bon, si c'est vrai, bien entendu. Il dit, I have instructed the United States Navy to shoot down, destroy any all Iranian gunboat. Donc, Donald Trump qui dit lui-même, il passe instruction formelle pour que, eh bien, bateau des États-Unis qui sont dans la mer, pour justement éclater justement n'importe bateau de guerre de l'Iran qui t'a voulu passer ou dans bêtise. Mais pas du tout que dans le moment où on a parlé, là, nous connaissons que gagner une crise au niveau du pétrole là tout. Je ne vais pas souligner ça. Iran, c'est un pays qui produit presque 3% dans le pétrole. Tout le pétrole qui fait dans le monde là, il produit 3%. 3%. Donc, c'est un gros producteur de pétrole. OK? Donc, dans le monde là, c'est 3% et par rapport à votre production pétrole mondiale là. Donc, c'est un gros producteur de pétrole lié dans le monde là. Et tu as à peu près de. Dans la même cause, ça, tu as des militaires qui t'ont conduit des opérations de training sous mer internationale à la semaine dernière, tu as à peu près 11 bateaux iraniens qui t'ont traversé bon côté.
Et yo passé tout près yo comme quoi yo devait venir frapper bon frapper avec toute vitesse. On parle de ça se fait pour 15 avril là. Comme nous tout le monde cap ou a conduit machine mon homme venir face avant et puis courir par côté lui vous plus double comme s'il t'avait fait accident avant. Yo tellement venir point, yo dit c'est un mandat duré, c'est une distance de quelques centimètres que yo venir prêt pour frapper. Donc c'est justement des actions très dangereux. Des actions très dangereux. Côté que les gens pas respectant quel principe. Bon, vraiment, il y a des gens qui fait ça. C'est sont fait exprès à la vérité. C'est justement, il a provoqué les États-Unis pour le rappeler. Ok, il a même tout, il a une puissance sous la mer. Il y a même tout, il a une âme dans la mer. Il y a même tout, il a frappé. Donc, c'est ça, justement, que le pays iran voulait faire reconnaître. Lorsque, attendez bien, lorsque le bateau iranien vient à toute vitesse sur le bateau américain, il y aurait plusieurs avertissements, sonner klaxon, tirant les oh, c'est à tomber à la brinsou. Par contre, vous comprenez. Imaginez vous-même, qui sont nés, qui sont au bateau, pour la foncer sous à toute vitesse. Klaxon, tout bagaille, même genre. Donc, n'est-ce pas, qui trouvez ou non dans ce petit soulier, vous ne connaissez pas, est-ce que vous avez tiré pour éclater le bagaille, ça, ou bien est-ce que c'est pression. Donc, en deux termes, son véritable situation de conflit. Ok? Donc, et bateau iranien au cap comporté de manière inconsistante et d'après ça on dit. Donc les États-Unis dit l'a évalué qui Jean pour bailler de meilleure réponse avec bagage sa pays là cap fait. Et Jean Zodou là il et Donald Trump dit lui-même faut que yo shooté. Mais faut nous tout attention. C'est dans semaine ça tout pays Iran pour la première fois. Eh bien arrivé lancer Zandarele, premier satellite militaire. Ça veut dire, dans le moment où on a parlé là, pays Iran a un satellite militaire. Donc, le mouvement révolutionnaire paramilitant, il dit que, il arrivé lancer premier satellite militaire qui a mis en orbite. Même avec les États-Unis, il y a des satellites militaires. Et il a fait plusieurs tentatives, il a été échoué, mais pour ça, il a réussi. Donc, le satellite militaire iranien qui a lancé dans ce moment-là, il a gagné plusieurs étapes. Et actuellement, il est en orbite. C'est ça qu'il fait nous connaître. Le département d'État dit que l'ange ça a justement montré que tout bon vrai, Iran très avancé au niveau des technologies. Ça n'a pas le niveau de missile balistique. Donc, lundi, force de pays Iran en matière de puissance, et là, on a parlé de puissance militaire, c'est pas petit bagaille. C'est pas jouet. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux qu'on parle là. Ok? Mais, pendant ce temps, bien avant de gagner Donald Trump, dans ce moment, tu vois l'avertissement de Iran parce que là, il y a une information secrète. Et ça n'a pas nécessairement Iran, non? On dit les proxys, ça veut dire des groupes pro-iraniens qui pas nécessairement dans le gouvernement. Ils ont pas préparé faire une attaque sur justement eh bien, les intérêts des Américains dans le pays Irak et d'autres côtés dans le Moyen-Orient. Et Donald Trump te dit attention, Iran, si vous n'avez pas fait un genre, vous n'avez pas l'annexe, vous bloquez, vous avez un problème. Donc, vous avez pour réagir de manière très sévère avec vous. Donc, son information qu'il te gagne avant bagaille la fait. Donc, tableau ça veut dire qui ça? Il veut dire que au niveau de Golfe Persique là, bien bagaille pas frette même. Il y a une tension assez élevée pour connait qui est cap gagner contrôle zone ça et il rendit lui-même li la caille les États-Unis sont bien loin. Ils a supposé retirer col pour le capable gagner contrôle territoire. Donc voilà, c'est une substance justement de c'est une substance mésentente ça qui gagne entre pays Iran avec les États-Unis. Nous dou bien malgré nous non crise aiguë. Mon crise aiguë. Parce que moi-même et m'pas parce que sorti. Je dis à me font sorti, me saisi. Bon là quand moi pas grand rien couvert mais vraiment, pas grand rien couvert. Tout bagage fermé. Descend downtown dans la blanche. OK? So lorsque on parle de crise économique là mes amis, c'est sérieux. Il dit pas gain brasse. OK. Là on dit pas gain bras ça, pas gain bras même descend dans 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 me saisi.
Et blanche, tout bas est campé. Donc, il y a une crise sévère. Mais au sein de la crise, c'est que nous avons bataille justement pour hégémonie. Qui est-ce qui est contre l'homme mais, donc, je ne sais pas si honte pour rentrer dans la guerre en même temps. Crise ça là. Donc, voilà, guys. Retrouvons chez connecté nous-mêmes. Toutes les nouvelles, nous avons partagé avec vous. C'était un plaisir. Et bye bye tout le monde.